Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Ch'tizaz et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lancement de la case de février du sale des fadas. Bon, lancement entre guillemets hein, parce que là où je vous tourne, le 1er février est déjà passé, mais c'est pas grave. Je voulais faire un petit une petite session vidéo avec vous pour justement la case de février de cette magnifique toile. Donc moi j'ai commencé tout juste hier. Hier on était quoi, le 3 je crois, ou le 2, je ne sais plus. Voilà, j'ai juste fait ça un petit peu, comme vous pouvez voir, un petit peu de noir et un petit peu de jaune là que je suis en train de poursuivre. Alors, en février, qu'est-ce que je fais? Je choisis ici, la partie là. En janvier, j'ai fait ici. Donc, c'est une case assez foncée. Donc, je voulais un peu de couleur. Donc, j'ai vu que ici, on allait avoir du jaune. Du jaune, un peu de rose, là. Rose orangé. Bon, je me suis... Bon, il y a toujours du noir, hein. Après, on va pas se le cacher, il y a du noir. Mais un petit peu de couleur ici, ça pourrait être cool. Donc du coup, janvier, hop, janvier. J'ai ma petite boîte. Donc j'ai ma grille ici que j'avais préparée. Et donc, février. Donc je vais mettre février ici. Hop, je n'écris pas très bien. Février. Essaye de grossir les lettres. Février, voilà, comme ça. Et donc, en gros, cette partie-là, en plus, je crois que c'est pas la plus grosse. Ça me fera 50 par 70 points. Voilà. Et puis, ben, comme c'est un petit mois, voilà, deux jours près, hein, 29 jours, on va tirer, mine de rien, deux jours en moins, et ben, hein, ça se voit. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais le ranger. Là. Comme ça, au moins, on y va. C'est parti. Bon, je pense que vous avez dû peut-être commencer ou pas. Hein. Il y en a, je sais, bah, moi la première avec le travail, tout ça, c'est un peu compliqué de commencer le premier du mois. Mais bon, hein, on a tout le mois de janvier pour faire. Hop, je vais plier comme ça. Pour faire, notre case. Voilà. Donc, alors, c'était les petits triangles verts ici en jaune. Hop. Donc c'est cool, on est parti. Bon, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire cette case. Au mois de janvier, je crois que j'ai mis une quinzaine de jours pour la faire. Donc bah, c'est cool. Hein. Bon, après, il y avait d'autres projets, hein, donc je trouve que c'est pas mal. Après, c'est pas une course, hein, on est d'accord. Une case, un mois. Et puis, bah, si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est pas très grave, tant pis. Le but, enfin le principal, c'est que vous preniez du plaisir, c'est tout. C'est juste histoire de partager tout ensemble, parce qu'il n'y a que des petites dames. Nous sommes toutes des dames sur ce salle. Donc le but, c'est qu'on partage toutes ensemble nos petits projets. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, moi, je découvre des toiles que bah, j'avais pas le souvenir d'avoir vues. Sur le site d'Oralois, il y en a une, elle est magnifique avec toutes ces couleurs là, les chats. Je sais plus qui l'a fait autant pour moi, mais en tout cas, toutes les couleurs sont dingues. Mais de toute façon, toutes les couleurs sont dingues des toiles Oralois, c'est un truc de fou. Bon, à part celle-ci qui est un peu plus terne, mais en même temps, c'est normal, hein, c'est le dessin qui fait ça. Donc vraiment, c'est super sympa et... En plus, vous partagez sur le groupe des Tiki, donc bah, ça fait super plaisir de voir un petit peu les projets de tout le monde avancer. Et donc, on va voir petit à petit, bah, au cours de l'année plutôt, toutes les illustrations bah, apparaître
avec nos petites croix. Et ça, c'est super sympa, franchement. Donc c'est cool, c'était une super idée avec Jackie, c'était super sympa. Et vraiment, bah, de toute façon, à chaque fois, on ne remerciera jamais assez Oralois de pouvoir nous permettre de faire cet événement plutôt sympa. Vraiment sympa plutôt. Ouais, plutôt vraiment très sympa. Voilà, c'est vraiment un moment de partage tout au long de l'année et c'est cool. C'est cool et chacun va à son rythme. De toute façon, on sent bien que c'est pas une course. Il y a même des débutantes là qui ont pris une, qui ont commencé leur première croix sur une toile Oralois et c'est trop cool. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, on va faire nos petites croix pour le mois de février toutes ensemble. Donc c'est vrai que on a sur le groupe des Fadas, on a des échanges comme ça entre bah, les personnes qui font ce sale. Et puis bah quelquefois les personnes elles partagent aussi sur le groupe. Donc si ça vous intéresse aussi de rejoindre le groupe, bah, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets tout en barre de description, comme d'hab, les liens des groupes. Je vais vous mettre la chaîne des filles, des fadas, hein, qui gèrent le groupe. On est trois fadas à vous accueillir les bras grands ouverts sur le site des fadas. Et c'est un site où vraiment on fait, on propose du moins, on propose plein de petits défis et chacun fait celui qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est dur. Donc voilà, moi-même, je ne fais pas tous les défis. Jackie ne fait pas tous les défis. Nanou ne fait pas tous les défis. On est fada, mais quand même, on est lucide. On sait que, bon, des fois, ça va pas le faire. On va pas y arriver. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des petites questions. Il y a une question à répondre. Et puis, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses en route. Je vous invite à aller voir. Puis s'il y a un petit truc qui vous plaît, là, février, il y a le thème. Je vous parle de celui-là parce que c'est celui qui vient de commencer. C'est le thème, bah, forcément, un projet en rapport avec l'amour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le carnaval. Ça peut être une toile super colorée en rapport avec le carnaval. Les gourmandises de la Chandeleur. Il y avait aussi pendant un moment des belles toiles avec des masques de Venise, tout ça. Ça rentre dans le thème, hein, tout ça. Donc, faut vraiment pas hésiter. Donc là, en ce moment, février, c'est ça. Mars, ça va être les gnomes de printemps, me semble-t-il. Avril, je ne sais plus, il y a tellement de trucs. Avril, je ne sais plus, mais bah, le ruban bleu, mais il y aura d'autres choses. Hein. De toute façon, je vous dis petit à petit, on vous poste les événements. Bah, les événements. Ouais, les événements, les petits projets, les petits défis qu'on vous propose. Voilà, histoire, c'est pareil, c'est histoire d'échanger, de partager. Tout le monde n'est pas obligé de les faire. C'est juste qu'on propose et parce qu'on sait que. Des personnes sont plus motivées et plus intéressées à faire ça, à faire leur projet, accompagner d'autres personnes sur le même thème. Ça les booste à prendre des toiles dans leur stock. Moi, la première, hein, ça me permet de sortir des vieilleries, je vous assure. Comme la Gorgeous, ça faisait très longtemps que je l'avais. Donc, j'étais bien contente de la ressortir. Donc, voilà, c'est. Chacun fait comme il l'entend et comme il le veut. Ce n'est absolument pas. Des obligations, voilà, de participation. S'il y en a un qui vous plaît, eh ben allez-y. Faites-vous plaisir. Hop. Donc là, bah, c'est cool hein, de faire un petit peu de jaune. J'ai fait un peu de noir. Alors en fait, au début, je m'étais dit je vais faire par couleur. Mais non. Là, j'ai fait plusieurs fils de noir. Et après, j'ai dit, oh tiens, je vais faire un peu de jaune. Et en fait, je voyage comme ça sur ma case. Je vais à droite, à gauche, selon ce que j'ai envie de faire. Comme là, le jaune, à un moment donné, j'en aurais peut-être marre d'en faire. Donc, bah, j'irai sur un autre symbole. Voilà. Et puis, bah, petit à petit, on arrive quand même à ça, à terminer.
Donc, je suis vraiment très contente. C'est cool comme projet. On va se suivre tout au long de l'année. Alors, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les aiguilles 14 CT pour moi. Alors, c'est juste moi perso, hein. C'est mon problème perso. Elles sont beaucoup trop fines. Donc là, je suis partie sur une aiguille un peu plus grosse qui devait appartenir à une toile de... Elle est tellement grosse que j'en perds à chaque fois mon fil. Elle devait partir... ouais, elle devait faire partie d'un kit de 11 CT. Mais voilà. Elle n'est pas non plus très très grosse parce qu'il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Donc elle est nickel, faut pas que je la perde. Bon après je dois certainement en avoir d'autres, hein, mais faut pas que je la perde quand même. Voilà. Donc là je vais terminer mon fil et puis voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. Je vais en rester là. Alors je suis pas, je ne brode pas ici d'habitude, hein, donc j'essaye de de voir quelque chose parce que du coup j'essaye d'être dans le champ tout en essayant de broder. Les brodeuses qui font des vidéos me comprendront, c'est un peu un petit peu la galère, mais on y arrive, hein. En plus il y avait une éclaircie, donc je me suis dit allez go, c'est maintenant parce que sinon on va rien voir. Et puis bah là je vois que ça commence à s'assombrir, donc c'est ça, c'est qu'il est temps. Il est temps de terminer mon fil. Voilà. Et puis ce sera cool. Donc j'espère que les personnes qui participent ont réussi à terminer toutes leur case de janvier. Et puis qu'elles ont pu commencer la case de février ou commenceront, hein, parce que bah voilà, on a le temps. Il y en a qui sont monoprojets et du coup elles ont le temps de la faire. Pas comme moi, du coup, je ne suis plus monoprojet. Je vais, parce que février, ça va être un mois où je vais en commencer d'autres aussi. Donc là, voilà, terminé la toile unique. C'est pour ça que j'avais bien avancé en janvier sur cette toile, parce que je perds mon fil tout le temps. Bah, parce que j'avais que celle-là et puis une autre, mais l'autre, c'est l'autre salle, le salle des quatre saisons. Et donc, forcément. On avait 3 mois, on a 3 mois pour la faire, hein, le temps d'une saison. Donc je me suis pas trop précipitée sur la toile des quatre saisons, bien que j'ai terminé quand même ma saison hiver. Mais c'est vrai que je me suis plus, je suis restée plus longtemps. Enfin, j'ai eu du mal à la lâcher en même temps cette toile, parce que ben, c'est tellement un plaisir que hop, que ben voilà quoi. J'ai brodé et au bout de 15 jours j'avais fini ma toile, ma case de janvier. Bon, je vais arrêter là parce que je vais toujours perdre mon fil. Je vais le passer dans mes petits trucs derrière. Et puis voilà. Voilà le mot de la vidéo. Le mot des vidéos. On dit tout le temps ça, mais tout un. Voilà, donc eux. Mais en même temps, on est comme on est. Hop, on se refera pas. Tac. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment de partage, voilà, vous aura plu quand même. Hein. C'était un petit moment. Hop, je vais la replier parce que elle est trop grande, ça rentre pas dans le champ. Donc là, forcément, on voit pas grand-chose, mais voilà, j'ai hâte que cette case soit terminée. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Écoutez, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, chez Oralois, j'ai un petit code promo qui est ZAZ10. Et là, en ce moment, pour écoutez, le mois de l'amour, il est à 15%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je sais qu'il va y avoir des nouvelles toiles, des nouveaux kits qui vont très prochainement être en ligne. Donc bah écoutez, s'il y a un kit qui vous plaît, n'hésitez pas. ZAZ10, ce code est pour vous. Et moi, ça me permet d'avoir comment dire, une petite commission pour pouvoir réinvestir chez Oralois. Comme d'habitude, à chaque fois je le dis, mais j'aime bien le répéter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!